Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Red Dead Redemption 2. J'ai l'impression qu'on s'est coupé trop tôt l'épisode précédent, mais c'est pas bien grave. Parce que je ne peux pas sauvegarder, donc j'ai l'impression que la mission n'est pas finie. Ça vient vraiment du feu de camp par contre. C'est dommage, ils auraient pu mettre le haut-parleur. Bravo, bravo. Allez, zou. J'ai pas l'impression que ce soit réciproque. Si, quand même, il y a sa maman. Par contre, elle ne sera pas disponible pour d'autres activités en quelques temps. Ok. Ok, ok. Là, je peux sauvegarder. Non, toujours pas. Ben merde alors. J'ai pas de mission. Bon. Y'a pas de mission. Y'a pas de mission. Non, il n'y a point de mission. C'est embêtant. C'est embêtant. Eh bien, on va attendre le retour de Jack. Enfin, célébrer le retour de Jack. Hein. Continue de chanter, lui. Est-ce qu'on peut pas aller dormir? Ça fera peut-être passer le... Tahiti, dear boy. Tahiti. If you say so. Mangoes, maidens, paradise, an unspoiled paradise. Yeah, I hope so. Faith, Arthur, have a little faith. J'ai des doutes. Ok, ok, merci de m'avoir interrompu. Que j'allais dormir, quoi. On peut dormir à l'intérieur. Non, là il y a un banc. Je sais pas où on peut. Ok, ok. Dans le cou. Je suppose que c'est là-dedans qu'il faut aller, non? C'est notre chambre. Elle est à l'étage, notre chambre. J'ai pas une putain de lanterne, non? Je ne vois rien. Vous savez, j'avais une lanterne. Pourquoi j'ai pas de lanterne? On m'a volé ma lanterne. Je peux pas prendre la lanterne. Bon. You okay, Sadie? Sure. You boys did good. Ok. C'est à l'étage. Ah ben voilà. C'est quoi ce bruit dehors là? Ah, c'est très le message. Génial. Je vais être assailli. Allez, bonne nuit tout le monde. Ah bah voilà. Vous avez reçu une lettre. Bah examinons-la. My dear Arthur. Cher Arthur. I hope this letter finds you well. En bonne santé. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life, and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life, time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault. Bravo, 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 bravo. Franchement. Par où je sors? Où sont les escaliers? Là. Hop. Parfait. Magnifique cette baraque. Un petit peu rouillée, mais maintenant qu'on a à nouveau les trucs, c'est quoi ça? Leopold Strauss prend pour un de l'argent qu'on nous a volé. Là c'est Osea Matthew et là c'est Marie Beth. Marie Beth. Et là, c'est Mary Linton. C'est pas la même. Il y a toujours lui qui est là. Albert Mason. Ok, ok. On va aller voir Léopold. L'usure et autres péchés. Sérieusement. Sérieusement. Tu me fais faire tout ça. Mais parce que tu dois prendre une route pour y aller. Je n'y crois pas. C'est pas le mien ça. Allez, cours, petit Arthur, cours. Merci. Bling 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 bling. Où es-tu? Léopold. Salut. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts. Il arrive le compte avant qu'on part. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far, we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, L. G. Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Ok. On va se barrer de là parce que ça a l'air d'être un endroit très intéressant. Les individus qui doivent de l'argent à la bande sont indiqués sur la carte. Tout à fait. Et on va d'ailleurs y aller. Carte. À moins que ce soit trop loin. Non, c'est là. Mais c'est hyper loin. Pff. Ça va, il y a une route pour y aller. Okay, on va longer, hein, c'est tout. Je vais parler à Dame là. Salut. You folks sure move around a lot. Yeah, that's how it goes. Ah, cheval. Merci Zou. T'es allé là-bas juste pour me dire ça toi. Putain. J'y crois pas. Je peux pas galoper à un moment. Ah, merci. Tu peux pas le faire dans le camp, je sais. Mais c'est chiant. Hop. On carbure là. Vous voyez, j'ai pas besoin d'un cheval de compétition. Il serait bien celui-là. Les autres iraient peut-être plus vite, cela dit, mais... Je trouve que celui-là est très bien. Il fait juste beaucoup de bruit. Donc c'est un peu chiant. On va quand même se prendre un petit fusil. Parce que on sait jamais. Nous sommes jamais trop prudents. Ok. Il n'y a personne ici. On va aller voir là. Non. Où pourrait-il bien être? En train de pêcher en bas. Ah oui. Je crois que c'est une bonne raison d'être sur ma propriété, monsieur. Well, time's long since up. I'm here to collect. J'aurais dû m'en douter. Tous des vautours. Tous les mêmes. Non mais quand on prend de l'argent... Quand t'as de l'argent... Quand on prend de l'argent, tu le rends. J'ai l'impression qu'il va nous la mettre à l'envers. Sérieux. Pas du tout. Ça, c'est d'accepter un verre, c'est plus correct. Déjà, il n'a pas son pistolet. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on. Let's get us that death. You back so soon, Paul? Someone's here, boy. Paul. Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Paul? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here. for our savings. Savings? Soulier. Best place for. Ouais, c'est très le couteau. Now where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, mister. Il y a un couteau. Ah. Bah oui, c'est évident. Je l'avais vu le couteau, moi. Le fils est parti là. Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my foot locker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? Voilà une bonne nouvelle. Hop. I think I know the sum. And that should cover it. Ain't you the good son? You should be proud of yourself. Voilà, voilà. On a buté le papa qui a voulu jouer au héros. Tant pis pour lui. Tu peux aller pleurer. Désolé. Moi j'étais un honnête citoyen. Ah d'accord. Oula quoi? J'ai pris quoi dans la gueule? Pardon? Que s'est-il passé? J'ai pris quoi dans la tronche là? Oh, je me suis fait éclater. Merde. J'ai perdu 100 $. Bon, heureusement que j'ai pas tout perdu. Mais je peux pas mettre mes sous dans un coffre pour éviter ce genre d'emmerde là justement. Ok. Je sais pas si c'est passé mais j'ai pas apprécié. Je sais même pas qui c'est qui nous est tombé dessus. Puis il va y avoir une méga traillette à bord de leur carriole là, parce que je me suis fait éclater. Mais c'est plus mon cheval ça. C'est pas mon cheval. Ils ont buté mon cheval. Non. Je peux pas croire ça. J'ai même pas tué mon cheval. C'est scandaleux. Je peux pas avoir cette merde là. Regardez-moi la tronche. Il est où mon cheval? Rendez mon cheval. J'ai plus les sous du papa là. Faut que j'aille les récupérer encore? Non c'est bon. J'ai plus les sous cela dit. Bah super, on s'est fait niquer. Bon bah on s'est fait niquer, voilà. C'est pas mon cheval ça. Attendez, ça va pas là. Je suis pas content. Il est où? Rendez-moi mon cheval. Non mais je veux pas cette... Dégage de là, non de deux. Une caille. Raclette. Mais c'est pas raclette ça. Si, c'est raclette, ça. Tennessee Walker. Et ça, c'était celui que j'avais au début. Au tout début. Mais il est tout pourri, j'ai plus mon cheval. Ils m'ont buté mon cheval, c'est con. Attends. Ça va pas du tout là. Une caille quittée. Non. Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Je perds pas mon cheval. Hein. J'ai perdu plus. J'ai perdu 100 $, il vaut 60, mais... Mais c'est pas la peine, hein. Ils m'ont canardé mon cheval, quoi. Ils lui ont défoncé la gueule. Mais pourquoi j'ai cette merde? Je veux pas cette caille, moi. Pourquoi j'ai 2 fois Tennessee Walker? Les deux qui s'appellent Tennessee Walker. Ouais. Bon bah je me suis fait ken mon cheval. Mais c'est scandaleux. C'est honteux. Ah, je peux pas sauvegarder là. Bon, va falloir qu'on aille acheter un nouveau cheval hein. Non, ça va pas du tout là. On va prendre raclette du coup. Ça nous a coûté 1000 $ quand même le machin. Donc. Non mais mon cheval. C'est scandaleux. Où est-ce que je vais à Saint-Denis? Histoire? Non, c'est pas histoire, c'est carte. Mais non mais je suis triste là. Oh, la pire mission du siècle. On va aller à l'écurie. Moi, je vais aller acheter un cheval. Ça va pas du tout. Regardez-moi cette merde, là. Je fais 3 fois sa taille. Les proportions ne sont pas respectées. C'est scandaleux. Bon, il carbure, mais... c'est tout ce qu'on demande à un cheval, de carburer, mais d'avoir la classe aussi. Là c'est en termes de posture, c'est pas bon. Bon allez, qu'est-ce que tu... Allez, viens. Ça sent le plan loose encore une fois. Bon, quitte à y aller, autant perdre tous nos chevaux, non? Vous en pensez quoi? Ah, quoi que. Ça a l'air de crier quand même. Ben voilà. Hop. C'est sauver ta vie surtout. Hein. Ouais. Absolument. Tout à fait. T'inquiète pas. Je te les mets juste là. Hop. Dans la vase bien poisseuse. Je t'ai compté. Allez, où? Ok. Eh bien, merci. $50 quand même. Et voilà. Bon, par contre, ton mari, c'est pas garanti. Non, c'est pas le mien, ça. Désolé. Mais viens là, toi. Ah bon, on a sauvé une dame, on a tué deux messieurs, on s'est fait $50. Ça va? Pourquoi tu vas pas te mettre à cracher tes poumons aussi? Il y avait quoi là? C'est un crocodile. Je crois bien que c'était un crocodile. Allez-y. Par contre, le monsieur, il est plus là, quoi. Pourquoi tu craches tes poumons? Ça va pas du tout. Hop. On va aller voir s'il n'y a pas des beaux chevaux. Regardez-moi ça, là. Il crache ses poumons, il crève. Il n'est pas endurant du tout. C'est scandaleux. Petit doublage là. Ah non mais c'est rien passé de... Non mais t'es en plein milieu de l'entrée là, tu casses les pieds avec ta boîte en carton. Bonjour. J'arrive au chaud. Alors, il est plus mon cheval. Hein. Il est plus. Pourquoi en fait je comprends pas, j'ai eu deux fois lui. C'est pas normal. Bon lui on va le vendre. Il sert à rien. Voilà. Vitesse, accélération, maniement. C'est dommage, il est moche. Et pas les moyens d'acheter ce cheval, mais si je l'ai déjà. Mais il est moche. C'est nul. Pourquoi ça a vendu les trois? Je comprends pas. J'ai plus de cheveux, ok. Super. J'ai vendu tous mes chevaux, j'ai plus de chevaux. Heureusement que lui n'est pas parti. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.